DELF A1, Revision Lecture 7, Question 1. Entouré l'adjectif à la bonne place. Cette maison a un grand jardin grand. Correct answer. Cette maison a un grand jardin. This is correct. Next one. Bruxelles. Est une agréable ville, ville agréable. So correct one is ville agréable. À Paris, il y a beaucoup de célèbres monuments ou monuments célèbres. So correct answer is monument célèbre. Le tram est un pratique transport ou transport pratique. Answer is transport pratique. Question 2. Est-ce que le groupe souligné peut être remplacé par pronom Y? Si oui, écrivez la phrase. Elle va au cinéma. Yes, it can be done. So answer should be elle y va. Nous habitons à Paris. This can also be replaced. Answer will be nous y habitons. Next one. Il visite le musée. This is direct object, so it can't be replaced. It will be il le visite. Then, next one, nous entrons dans l'église. Yes, it can be replaced by Y. Answer will be, nous y. Okay. Next question. Regardez le plan de table et complétez les phrases avec entre, à côté de, en face de, à gauche de, Elise, Christophe, Stéphane, Muriel, Ludivine, Marie. First one. Muriel est assise. Muriel is ici. Muriel is here. And Elise is here. So correct answer will be en face de. Next, Muriel A, Ludivine. Ludivine is here, Muriel is here. So answer will be A, gauche, de. Next one, Christophe A, Elise A, Stéphane. Christophe is here, Elise is here, and Stéphane is here. It means in between. So answer will be entre. Next one, Marion A, Ludivine. This is Ludivine, this is Marion. So we can write à côté de. Next one, complétez les phrases pour comparer. Le TGV est plus rapide que le TER. Un studio est moins grand que un appartement. À Paris, il y a plus de monuments que à Aix-en-Provence. Il y a moins de voiture à la campagne qu'en ville. Question next. Complétez avec le lexique de la ville. Il y a beaucoup de commerce dans. Answer is le centre-ville. So this is the first one. Fred habite dans le même. Answer is quartier.
Next one. J'habite dans la rue Voltaire. The third one. Pour venir chez moi, il faut prendre le pont et traverser la Seine. Question 6. Complétez avec le lexique pour parler d'une ville. À Bruxelles, on peut faire beaucoup d'activités. C'est une ville très, answer will be, dynamique. Je regarde l'itinéraire pour aller au musée de la bande dessinée. Next one. J'aime beaucoup l'architecture du 21e siècle. Next one. Question 7. Trouvez l'entre. La poste, le bateau, le vélo, le tramway, le métro. So, odd one out would be la poste. Next one. Faire une croisière, faire un rallye, faire du geocaching, prendre le train touristique, prendre une douche. Here, prendre une douche is odd one out. Next one. Une cathédrale, un bus, un palais de justice, un café, un musée. So, odd one out would be un bus. Now, question next. Question 8. Indiquez l'itinéraire pour aller de chez vous au centre-ville. Model answer. J'habite rue Akbar à Delhi, en face de la boulangerie. Je prends la rue Nelson Mandela. Je passe devant deux restaurants et une boucherie. Je traverse la place de Lodi. Je passe devant la tombe de Humayun. Ensuite, je tourne à gauche, rue de la Lodi, et je continue tout droit. Je passe devant un supermarché et j'arrive chez moi. Merci